Bonjour, mon nom c'est Florence Jourdain-Fontaine. Mon père c'était un grand chasseur, puis ma mère aussi c'était une grande dame qui faisait des mocassins, des mitaines, de la selle, les raquettes qu'a faisait ma mère. Puis j'ai beaucoup appris de ma mère. Surtout mon père m'a appris beaucoup dans le bois. Comment débiter un castor, un porc-épic, comment nettoyer le lierre, puis comment faire les affaires du bois. J'ai beaucoup appris. Puis maintenant, j'ai transmis à mes enfants mon savoir faire dans le bois. Puis présentement, j'essaye de transmettre tout ce que j'ai appris de mes petits-enfants, ce que j'ai appris du bois. Puis ce que j'apprends encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup encore aujourd'hui. Je lis beaucoup le livre Innu, beaucoup. Faut que j'apprends à lire en Innu. Je travaille beaucoup sur le livre. Je lis beaucoup le livre... les traductions des livres Innu. Puis j'essaie de lire beaucoup, beaucoup. Puis quand je suis seule présentement, je lis beaucoup le Mutanyet. Puis je me pratique à prononcer les mots, surtout les mots que les Innu servaient dans le bois. L'indication des autochtones, c'est qu'il faut leur montrer à parler le Innu, puis à lire le Innu, puis avoir beaucoup de livres dans les classes en Innu. C'est comme ça que j'ai appris à lire le Mutanyet, moi. J'ai lu beaucoup de livres en Innu, puis je me pratique toujours à lire Innu. C'est comme ça que j'ai appris, puis je transmets ça à mes petits-enfants, à lire le Innu. Que je lis beaucoup. Je me corrige quand j'ai fait un faux. Faut laisser la prochaine génération la langue Innu puis les traditions des Innu. Comment qu'ils vivaient les Innu dans le bois, seuls, à rien, pas de médicaments. Ils se soignaient eux autres mains, ils apprenaient eux autres mains. Faut leur laisser à nos petits-enfants, puis la génération qui s'en vient aussi, faut leur montrer. Faut leur montrer comment ils se soignaient les Innu en forêt. L'éducation chez les écoutants, faut transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, ce qu'on a appris, ce que nos parents nous ont transmis, la culture, puis la langue, puis nos coutumes. C'est ça la tradition que je devrais laisser à mes enfants. La culture, la tradition, puis nos coutumes. Comment qu'on vivait dans le bois. Même comment qu'on vit aussi présentement aujourd'hui. Les connaissances, je transmets. La plupart souvent, mes connaissances, nous transmettons à nos garçons, nos filles, nos petites filles. Leur montrer aller à la pêche, aller dans le bois, aller faire des casser le sapinage, leur montrer comment se débrouiller tout seul dans le bois. Le sapinage, faut changer de sapinage au moins une fois par semaine dans une tente. Nous autres, quand on veut transmettre notre culture, nous autres, c'est par oral, puis par l'observation. Admettons, moi, je vais montrer à ma petite-fille à faire le tricot. Je vais le montrer, mais elle va m'observer. Puis je vais lui dire comment tricoter. J'aimerais qu'on transmette notre génération pour les années futures. D'aller dans le bois, leur montrer c'était quoi la vie. La vie dans le bois avec les autochtones, comment qu'ils vivaient les autochtones autrefois.
Même aujourd'hui, il y en a qui retournent aller à la chasse. Ils montent leurs enfants. Puis même aujourd'hui, il y en a des grands-pères qui montent leurs enfants aller dans le bois, aller leur montrer la culture. C'était quoi le piégeage des castors, le temps de l'automne, puis la chasse au gibier. Puis dans l'automne, c'était le lièvre. C'est ça que j'aimerais, moi, qu'on transmette à la génération future. Les transmettre le savoir dans la culture innu, transmettre ce que nous avons appris de nos parents. C'est ça que j'aimerais, moi, pour leur montrer. Que ce que j'ai appris, puis garder la langue et nous, toujours.